Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer avec le teint, avec le fond de teint L'Oréal True Match Lumi. Vous allez en appliquer partout sur le visage à l'aide de votre pinceau de Sephora, le numéro 44, en le tapotant partout, y compris le cou. Ensuite, avec le cache-cernes de Rimmel, le numéro 230, je vais venir en appliquer partout sur les cernes en l'estompant partout et le descendre légèrement vers le bas pour donner une luminosité naturelle et éclatante. Assurez-vous de bien l'estomper partout parce que vous ne voulez pas avoir de démarcation. Ensuite, avec le Beauty Blender, assurez-vous de bien le mouiller avant l'application. Vous allez venir estomper le tout pour donner un fini plus naturel et plus lumineux. Ensuite, avec le crayon à sourcils de Maybelline, la couleur que j'utilise, c'est la couleur blond. Vous allez venir tracer les sourcils. Moi, pour cette vidéo, je les ai dépassés un petit peu parce que Jennifer Lopez, pour son look, elle avait les sourcils quand même assez épais. Ensuite, vous allez venir vouloir... Dans le fond, vous allez venir les placer avec le mascara transparent de Maybelline, encore une fois. Ça va aider à les placer toute la journée. Dans le fond, ils vont pas descendre sur la paupière. Ensuite, avec la base à paupières d'Essence, la marque Essence, vous allez venir en appliquer partout sur la paupière comme base à fard à paupières. Et oui, en passant, j'ai un petit bobo sur la paupière. Je ne sais pas si c'est un kiss, un argelet, un whatever. Mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo pour vous. Donc, avec les doigts, vous allez venir estomper le tout. Ensuite, avec la poudre de Dior, c'est une poudre lumineuse qui s'appelle Shimmer, le numéro 002. Très lumineuse et très naturelle, je l'adore. Vous allez venir en appliquer sur les yeux à l'aide d'un pinceau sur le devant de l'œil et en dessous des sourcils. Ensuite, avec la palette Naked de Urban Decay, vous allez venir prendre la couleur Naked et l'appliquer partout sur la paupière mobile.
Vous allez également en appliquer légèrement en dessous de l'œil pour venir tracer le contour des yeux. Ensuite, avec la couleur Buck, encore une fois de la palette Naked, vous allez venir en mettre sur le creux de l'œil en l'estompant vers l'extérieur pour vraiment donner une forme comme des yeux de chat. Plus en amande. Et ensuite, avec le... je parle trop vite. Vous allez également en mettre en dessous de l'œil, encore une fois, pour tracer le contour des yeux. Et par la suite, avec le pinceau qui vient avec la palette Naked, vous allez venir estomper le tout. Ensuite, avec un crayon noir, moi, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est celui d'Annabelle Cole. Je suis venue tracer la paupière, pas la paupière, je suis venue tracer ma ligne de cils assez mince, juste pour dire que j'ai un eyeliner très naturel. Et vous allez voir que par la suite, je vais venir l'estomper à l'aide d'un pinceau. À l'aide de pinceau, je vais venir l'estomper pour moins voir la trace, la ligne. Ensuite, avec un crayon couleur pêche, encore une fois de la marque Essence, vous allez en mettre à l'intérieur de l'œil, là où normalement beaucoup d'entre nous mettent du noir. Mais moi, je mets du blanc aujourd'hui pour donner la luminosité puis agrandir les yeux. Ensuite, avec le mascara de Yves Rocher, que j'aime beaucoup, 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 je viens tout juste de l'essayer et je t'en amour, vous allez venir appliquer une couche seulement, avant d'appliquer les faux cils par la suite. Donc, vous allez en mettre sur les cils du haut et du bas. Ensuite, les cils que je vais utiliser aujourd'hui s'appellent Asia Lashes. C'est des cils faits de poils de... vison, excusez-moi, et ils sont réutilisables 25 fois. Et celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le You're So Lucky. Donc, j'ai déjà appliqué la colle dessus, j'ai attendu environ 30 secondes, et là, à l'aide de ma pince à sourcils, vous allez venir placer les faux cils exactement sur vos cils, pas sur la paupière, vraiment sur les cils. Et vous allez venir placer de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, j'ai acheté cette petite outil qui est faite exprès pour les faux cils de la marque BH Cosmetics. C'est vraiment, vraiment utile. Je l'adore. Donc, quand que vous êtes sûr que c'est pas mal sèche, vous allez venir... coller les cils à vos cils pour être sûr que ça ne se décolle pas à la fin de la journée. Ensuite, avec la palette Sculpting Kit de Makeup Forever, je vais venir tracer toutes les creux naturels de mon visage pour faire un contouring, je dirais pas assez naturel, mais un contouring quand même assez dramatique parce que Jennifer Lopez dans sa photo... on pouvait très bien voir que son bronzage était assez prononcé. Inquiétez-vous pas, je vais estomper par la suite. Ensuite, avec ma poudre de Cover FX, le numéro 050, je suis venue estomper légèrement la ligne que j'ai fait un petit peu partout. Ça donne un effet plus estompé.
Ensuite, avec la poudre minérale de Bévin, que je connais pas vraiment. Je sais vraiment pas où je l'avais acheté, mais il est, je l'aime bien. Ça me fait beaucoup penser à les poudres minérales de Bobbi Brown, qui ressemblent pas mal beaucoup. Ensuite, avec le fard à joues de Lissoitier, je suis venue en appliquer sur les pommettes en estompant légèrement vers l'extérieur. Sur la vidéo, je pense pas que je vais le montrer, mais je vais l'estomper pas mal avec mon pinceau à fond de teint par la suite. Ensuite, pour les zones lumineuses, j'ai utilisé encore une fois la poudre de Dior, le Shimmer 002. Et à l'aide de mes doigts, je suis venue en mettre partout où j'ai remarqué qu'elle avait des zones lumineuses. Avec les crayons à lèvres de Essence, je suis venue tracer le contour de mes lèvres et j'ai légèrement dépassé pour donner des lèvres plus pulpeuses et un petit peu plus grosses que la normale. Parce que si vous avez bien remarqué la photo que j'ai mise au début de mon vidéo, Jennifer Lopez, elle a essayé de pas mal agrandir ses lèvres à l'aide de son rouge à lèvres. Donc, c'est ce que j'essaie de recréer aujourd'hui. Ensuite, avec le rouge à lèvres rouge de sérum de Dior, vous allez venir en mettre sur les lèvres. Et par la suite, vous allez voir que je vais appliquer un rouge à lèvres mat de e.l.f. Celui-ci. Ce rouge à lèvres rétractable. Je l'aime vraiment beaucoup. Vous allez venir le placer seulement sur le centre des lèvres, qui va vous donner un effet beaucoup plus gros, des lèvres plus grosses. Ensuite, avec mon gloss de Smashbox, je vais appliquer partout sur les lèvres. Et voilà le look terminé. Pour ceux et celles qui se demandent où j'ai eu mes boucles d'oreilles, je les avais achetées il y a environ 2 ans chez Sirens. Malheureusement, je pense pas qu'ils les vendent maintenant. Pour les cheveux, j'ai fait une petite queue de cheval assez simple, comme la photo. Et voilà. Merci d'avoir écouté mon vidéo. À la prochaine. Mouah!